Savane des Esclaves, c'est un village qui a été reconstitué. Quand je suis arrivé ici en 99, la forêt bien dense, il n'y avait rien du tout. Là, j'ai tout défriché et j'ai reconstitué ce village pour la revalorisation de notre culture et de notre patrimoine. Alors, dans ce village, on va faire une petite visite tous les jours en 1h15. La première partie de la visite, on le fait sur l'histoire de la Martinique et l'histoire de l'esclavage, parce que nous, en Martinique, on est une race qui est très métissée, quoi, hein, qui est créée à partir de l'esclavage, quoi, hein. Alors, c'est très important de parler de cette partie qui est la partie esclavage. Mais la deuxième partie dans le jardin, ça nous montre comment nos ancêtres ont survécu
après l'abolition de l'esclavage, quoi, hein, sans le magasin, la voiture, sans toutes les belles choses qu'on a là maintenant, quoi. Hein, c'est pourquoi vous voyez dans le jardin avec les petites cases recouvertes de paille, tressées avec des petites boîtes ouvertes à proximité. Le grand jardin créole devant, parce que les gens n'avaient pas encore de magasin, il fallait le jardin créole pour pouvoir boire et manger dans la vie de tous les jours. Alors on a le jardin créole qu'on présente et derrière le jardin, pour se soigner, le jardin médicinal. Et dans le jardin médicinal, avec de nombreuses plantes, hein, comme vous avez constaté, comme l'orthosiphon, basilic, citronnelle, tout ce qu'on peut trouver, quoi. Alors. Thank you.